prend 220 000 euros. Pour moi, il n'y avait pas de challenge collecteur, mais une volonté forte de réunir des fonds pour aider à lutter contre cette maladie. Les dons recueillis dans le cadre de cette opération sont destinés à soutenir la médecine personnalisée. J'ai toutefois demandé au centre Léon Bérard d'affecter ma collecte spécifiquement à la recherche contre les cancers pédiatriques. Les enfants ont en effet besoin de traitements adaptés et individualisés. Cette cause me tient à cœur et c'est une demande forte que j'adresse au centre Léo Bérard qui cofinance avec les hospices civils de Lyon, l'Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique où sont soignés les enfants au sein du centre Léon Bérard. Durant le combat de notre garçon, Tom, nous avons rencontré à l'IHOP de nombreux enfants, des bébés, des jeunes, des adolescents, touchés par un cancer. Tom nous a quittés à l'âge de 14 ans et d'autres parents connaissent cette douleur, connaissent également cette douleur. Des enfants se battent aujourd'hui, en ce moment même, courageusement, ainsi que leurs familles. Certains sont parmi nous. D'autres enfants ont gagné et j'en connais qui sont là ce soir et portent la lumière de l'espoir. Je dis à chaque malade, adulte ou enfant, on est tous avec vous pour vous soutenir. Le combat est rude, parfois inégal. Mais il ne faut rien lâcher et toujours croire en la victoire car tout est possible. La guérison est au bout du tunnel. Sachez aussi profiter à fond de l'instant présent car c'est ce qui vous donne la force et vous aide à avancer. On est de tout cœur avec chacun de vous. Alors je tiens à vous dire, go Nina, je tiens à vous dire, accroche-toi Margot, je tiens à vous dire, vas-y Lulu, et en avant pour tous, car vous allez gagner, j'en suis sûr. Pour conclure, en honneur de ceux qui se sont battus, et pour encourager ceux qui combattent aujourd'hui, je vous propose de leur adresser un tonnerre d'applaudissements. Bien sûr. Merci à vous tous. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va conclure sur ce beau moment d'applaudissements. Et le temps pour moi quand même de remercier tout le monde, la Candelle Harmonie, dans le désordre, le groupe Fjord, les Batoucailleurs, les Mauvaises Graines, Nicolas pour le light painting, Intermarché pour le ravitaillement de la fin de course, et bien évidemment l'ensemble des personnes qui ont participé à la construction de ce bel événement. Et j'ai été particulièrement ravi de pouvoir l'animer cette année. C'était super, merci beaucoup. Je vous remercie et je garde justement le petit mot de la fin avant de vous libérer pour vous remercier, Monsieur Jacquet, pour votre animation bénévole à nos côtés ce soir. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, effectivement, pour toutes les personnes qui ont participé au succès de cet événement et en particulier Agathe Amadei, je sais voilà, pas... Voilà, je voulais la remercier, Agathe, elle est quelque part par là. Elle je doit pas, voilà, pas voilà, être bien voilà. Loin, mais... Et toute l'équipe, voilà. Merci, Agathe. Merci aux bénévoles, merci à tout le monde. Et à l'année prochaine, bien évidemment. Merci. À l'année merci prochaine. À On monte. Voilà les bénévoles, s'il vous plaît, pour la petite photo qui va bien. Merci à vous tous. On va demander à notre photographe s'il veut bien encore appuyer une fois ou deux sur le bouton. Il a l'air d'accord. On va pouvoir faire ça alors. Tous les bénévoles qui vont venir nous rejoindre. Et puis bien sûr, toutes les personnes qui sont sur ce podium pour terminer. Merci à vous tous.